Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, les amis hospitaux, et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, je suis juste là pour faire cette vidéo, pour toutes ces questions que vous avez déjà posées, vous avez déjà posées en ce qui concerne la bourse de l'Université Calabria. Donc, comme vous le voyez là, nous sommes sur la bourse de l'Université Calabria, nous sommes sur le plateforme. Donc, sachez, et je voulais rappeler que c'est en Italie. Voilà, donc pour ceux qui veulent vraiment postuler à cette bourse-là, vous êtes déjà les bienvenus. Vous pouvez déjà suivre cette vidéo-là du début jusqu'à la fin pour pouvoir mieux postuler. Voilà, donc déjà, vous devez savoir que cette bourse-là, vous allez d'abord faire l'application, c'est identique, et l'application et l'admission en même temps à la bourse. Donc, vous n'avez pas à postuler et l'admission, et après aller postuler à la bourse. Voilà, ça va rien servir. Ce que vous allez faire, vous allez postuler directement, et les documents dont vous avez besoin pour pouvoir les faire, c'est assez simple que ça. Si vous regardez bien, vous pouvez déjà avoir une idée des documents qu'il faut. D'abord, dans un premier temps, vous devez avoir votre passeport. Voilà, donc après le passeport, vous devez avoir aussi votre diplôme. Voilà, diplôme de baccalauréat ou bien diplôme de master, et aussi des relevés de notes, n'oubliez pas, c'est assez important. Et après cela, vous devez avoir un CV, un curriculum vitae. Ça, c'est un CV. Vous devez faire votre CV pour mettre à côté de vous. Voilà, et en plus de cela, vous devez aussi avoir le programme de tous vos cours universitaires, parce qu'ils peuvent vous demander comme ça. Par exemple, ceux qui font le master, ils peuvent vous demander comme ça de faire des pupposes, ou bien ils peuvent vous demander comme ça de faire des rapports sur les facultés que vous avez déjà, et tout tout tout. Ça va dépendre de la faculté que vous allez choisir et tout ça. Donc, et après ça, si par exemple vous avez ça aussi, je parle pour les masters. Si par exemple vous avez déjà vous voulez postuler pour des cours en anglais, c'est-à-dire si vous choisissez vous-même. Tout à l'heure, quand je vais faire, vous allez voir. Si vous choisissez vous-même des cours qui sont en anglais directement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'insérer des certificats qui sont en anglais. Mais si vous n'avez pas de certificat, alors vous pouvez déjà insérer des facultés. Vous pouvez déjà choisir. Si vous n'avez pas de certificat en anglais, vous choisissez d'abord la faculté qui est en langue russe et en langue, excusez-moi, en langue italienne. Comme ça, vous allez d'abord faire une année de langue italienne avant de commencer vos cours. Voilà, donc ce sont des éléments qui sont clés, qui sont là. Donc nous, on va avancer un peu plus rapidement. Et ici, comme ça, si vous arrivez là et que vous ne voyez pas Web Registration, vous pouvez déjà venir dans le menu qui est là et vous cliquez sur Registration qui est là. Vous comprenez? Ça, c'est en italien, ça, c'est en anglais. Vous pouvez mettre ça sur italien ou bien vous pouvez mettre ça sur anglais. Voilà, donc ça dépend de vous. Nous, on ne comprend pas italien, donc on met ça sur anglais. Donc, si vous cliquez sur Registration, vous allez voir que c'est la même plateforme qui va s'afficher. Vous voyez? Donc, ça, c'est un peu les éléments qu'on va enregistrer pour s'enregistrer en tant que postulant. Ça, c'est pas d'abord la bourse, ça, c'est pas d'abord la faculté. Donc moi, ici, je vais choisir comme si je partais faire le master. Donc ceux qui sont en licence aussi, je vais faire au fur et à mesure, je vais vous montrer aussi, et en licence et en master. Voilà, donc restez branchés et puis on y va. Donc ici, comme ça, on vous dit que si vous voyez la flèche qui est là, ça veut dire que la section est déjà complète. Donc ce que nous allons faire, on va d'abord commencer à s'enregistrer là. Voilà, donc je viens dans Web Registration et ça me renvoie sur la partie de l'administration. Donc n'oubliez pas, je vais choisir des noms qui sont un peu différents, c'est-à-dire je vais choisir des noms qui sont un peu qui sont pas vraiment les miens. Donc si ces personnes-là par hasard se sentent visées et que je choisis leur nom ou bien leur prénom, voilà, excusez-moi, c'est juste une vidéo pour vous aider. Donc dans un premier temps, le nom, comme ça moi je vais choisir un nom comme ça, voilà, Gifty. Et puis ici, j'ai choisi OK. Et la date de naissance, étant donné que je viens pour un master, voilà, je vais mettre comme si je suis né, par exemple, comme ça, en 2002. Si je prends 2002, ça veut dire que actuellement j'ai 20 ans. Voilà, donc je vais prendre comme ça 2001. Voilà, donc ici, dans un premier temps, je vais choisir d'abord l'année 2001. Voilà, je choisis le mois, je laisse mars, et je choisis le 7 mars 2001. Ok, donc après ça, ne vous inquiétez pas parce que j'avais déjà cliqué sur soumettre, voilà, avec le bouton, c'est pourquoi ça s'affiche ça, mais ne vous inquiétez pas, ils vont prendre ça en compte plus tard. J'avais pas déjà rempli et j'ai cliqué sur soumettre, donc c'est pourquoi
tous ces éléments sont sortis, les erreurs sont sorties. Ok, donc le genre, c'est quoi? C'est masculin, ok. Et la nationalité, si je vais prendre par exemple comme si je suis de la Côte d'Ivoire, donc j'ai choisi Côte d'Ivoire. Maintenant, ceux qui ne voient pas Côte d'Ivoire, voilà. Et je voulais rappeler aussi, essayer de remplir les éléments en anglais, c'est assez important aussi. Donc, si je choisis Côte d'Ivoire, qui est là. Ok, donc, si je suis dans cette ivoirienne, je viens, je suis né en Côte d'Ivoire aussi. Donc, vous voyez ici, par exemple, c'est compliqué de trouver Côte d'Ivoire. Donc, quand c'est comme ça, c'est traduit d'une autre manière. Donc, c'est à vous maintenant de chercher et de voir comment est-ce qu'ils ont traduit votre pays. Comme ça, vous n'allez pas assez souffrir. Voilà, puisque j'ai vu des personnes, ici c'est Ivory Coast, voilà. J'ai vu des personnes un peu qui étaient un peu fatiguées et tout, 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 parce qu'ils ont séché et ils n'ont pas vu. Donc ici, la ville, si votre ville n'est pas listée, ici par exemple comme ça, vous pouvez mettre votre date de naissance et votre ville de naissance. Moi je mets par exemple comme ça Abidjan pour fa faciliter les choses. Voilà. Donc Abidjan ici, ok. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions et tout, tout, tout. Italien tax code, c'est quoi? Je vais mettre quoi et tout, tout, tout. Regardez très bien ce qu'ils ont écrit ici. On dit si vous n'en avez pas, ça va se calculer automatiquement. Vous comprenez? Donc vous n'avez pas à mettre des codes italiens et tout ça. Ça, c'est pas vraiment important. Il suffit juste de cliquer sur le bouton qui est là. Lui-même, il va vous calculer un code italien pour vous donner là, pour que vous puissiez au moins commencer. Vous pouvez continuer. Voilà, donc n'oubliez pas, voici les étapes qui sont là. On va d'abord s'enregistrer. Après, on va faire les étapes qui sont là. Donc, comme je l'ai dit, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que, au fur et à mesure, je vais essayer de commenter et la licence et le master, mais moi, je vais choisir plutôt le master pour pouvoir finir. Ici, je prends quoi? Abidjan. Voilà, ici, Abidjan. N'oubliez pas aussi, si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et là où vous êtes, pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, il y a le lien en dessous. Vous pouvez déjà cliquez sur le lien et essayez d'aller faire un abonnement. Voilà, ça va vraiment beaucoup m'arranger. Ça va vraiment aussi me faire plaisir. Et ces personnes-là auront d'autres traitements, des traitements de faveur en ce qui concerne la chaîne YouTube. Ces personnes seront les premiers à voir ma chaîne YouTube avant toute personne. Si je dois faire une vidéo qui est entièrement longue et que je dois prendre tout le temps pour pouvoir le faire, c'est sûrement là-bas que je vais la télécharger. Ok, donc merci à vous surtout, merci à ceux qui me soutiennent. Donc ici, comme je l'ai dit, ici, pour Italian Code Tax, vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose ici. Vous n'avez jusqu'à faire forward ici. Et vous allez voir que ça vient automatiquement. Vous voyez? Voilà. Donc, ça s'installe automatiquement. Donc, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et ensuite, une fois que vous finissez encore, vous cliquez encore sur le même forward qui est là. Voilà. Et on y va pour la suite. Donc, nous sommes là à la seconde partie qui est là. Donc, le pays, comme je l'ai dit, c'est la Côte d'Ivoire. Ivory Coast ici. Si votre pays est traduit d'une autre manière, vous pouvez déjà chercher à voir quelle est cette manière-là pour pouvoir essayer de la retrouver dans, essayer de le retrouver dans la liste qu'elle a. Donc, the town entry was not found among those list. Donc, si vous n'avez pas, si votre, par exemple, comme ça, votre ville n'est pas ici, vous pouvez choisir, vous pouvez vous mettre installer la ville. Donc, moi, je mets Abidjan. Ok, donc Abidjan, en ce qui concerne le zip code à Abidjan, vous voyez que là, c'est pas vraiment obligatoire, il n'y a pas de d'astérisque là. Donc, si vous voulez vous laisser, ce n'est pas un problème. On dit, et ici même, on dit si vous êtes en Italie, c'est en ce moment que vous mettez ça, donc c'est pas un problème. Donc, la localité aussi, vous pouvez mettre une localité, c'est-à-dire un quartier ou bien une ville et tout ça. Voilà, donc Abidjan, si vous mettez la localité, je mets par exemple Abidjan, Cocody, par exemple. Voilà, je mets Cocody ici. Et là, l'adresse, je peux mettre comme ça, Cocody. Je mets Cocody, je mets virgule, et puis je mets Cité des Arts. Ou bien je mets Cocody, virgule, Rivera 2. Rivera 2, voilà. Et si vous voulez aussi, vous mettez autre chose, campus et tout, tout, tout. Ça, c'est vous qui voyez l'adresse. Donc, le numéro de l'adresse ici, ne vous inquiétez pas pour ça. Je viens de cliquer sur un élément, c'est pourquoi ça affiche tout ce qui est là. Donc, le numéro, je peux mettre comme ça le numéro 10. Voilà. Si vous n'avez pas de numéro, vous mettez 00 ou vous mettez 01. C'est pas vraiment assez important. Donc, adresse permanente. Donc, ici, par exemple, comme ça, on vous dit à quelle date. Vous avez commencé à vivre à votre adresse permanente qui est là.
Voilà, donc moi je vais mettre par exemple, quand j'ai commencé là-bas, j'ai commencé à vivre là-bas en 2015. Donc je vais mettre comme ça 2015. J'ai choisi un peu ici avril. J'ai choisi le 8 avril 2015. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est pas un problème. Mettez une date et puis avançons. Ok, donc le téléphone, je vais prendre le téléphone de la Côte d'Ivoire, plus 225 0759 33 12 44. Voilà, donc c'est un peu ça. Et une fois que vous finissez là, currently address is the same as permanent address. Si par exemple actuellement l'adresse que vous-même vous avez, l'adresse de chez vous, par exemple comme ça, c'est identique à l'adresse que vous avez actuellement. Si vous n'avez pas encore voyagé, vous n'avez pas encore changé, alors vous mettez yes. Mais si vous avez déjà voyagé et tout ça, vous mettez no et vous mettez l'adresse permanente actuellement. Vous comprenez? Si vous mettez no, il y a une partie qui va s'afficher, vous voyez, et vous allez pouvoir remplir. Maintenant, si vous mettez yes, rien ne va s'afficher à la suite. Vous allez prendre les éléments qui sont là, qui vont être votre adresse de correspondance et votre adresse courante actuellement permanente. Vous comprenez un peu? Voilà, donc une fois que c'est fini là, on va essayer d'avancer en mettant sur forward. Donc, vous voyez, ça avance. Et ici, le plus important pour moi, pour que je puisse vraiment vous aider, c'est de mettre mon adresse, mon mail qui existe, mon mail. Toutes les informations qui sont là, c'est seulement le mail qui est à moi. Donc, je vais mettre le mail si je dois vraiment poursuivre pour vous aider. Voilà. Donc, monboost@gmail. Parce que si je dois recevoir un message, c'est pas là-bas que je vais recevoir gmail.com. Et ici, par exemple, International Dialing Code. Donc, en ce qui concerne mon code de pays, c'est quoi? Pour le numéro, c'est plus 225. Ok, donc ici, une fois que vous finissez de mettre 225, le mobile qui est là, vous ne mettez plus 225, vous écrivez seulement votre mobile et puis c'est tout. Tout à l'heure, j'ai écrit 59 0759 33 12 44. Vous voyez, vous n'êtes plus obligé de mettre le plus 225 ou bien 00225, c'est pas la peine. I agree to the handling of personal data pursuant to Article 7 of Lake Degree 4196 John. Ok, yes. Vous voyez, eux-mêmes ont déjà coché ici, donc ne changez pas, laissez ça comme ça. Notification, I agree to transmission for the personal data and applicants of the current legislation. Donc ici, on vous dit, est-ce que vous voulez recevoir, bon, je suis d'accord à recevoir les transmissions de la page pour le processus suivant ou bien autre chose. Et ici, on dit, donc on dit yes. I agree to the disclosure of the personal data in compliance with current legislation. Donc, ici aussi, yes. Et est-ce que vous acceptez de recevoir des SMS? Yes. Donc, là, je peux maintenant essayer de continuer. Ok. Donc, ici, c'est le lieu où vous allez choisir votre mot de passe. Le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères. Et les 8 caractères. Si je vais un peu plus vite, vous pouvez déjà poser les questions pour que je puisse essayer de reprendre, pour que je puisse essayer de le faire. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés vraiment, ça va vraiment vous arranger. Et n'oubliez pas, c'est assez important. Maintenant, pour ceux qui veulent suivre la vidéo, par exemple comme ça, jusqu'à la fin, vous pouvez déjà cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Voilà, j'ai mis le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer sur ce lien-là pour pouvoir aller continuer, pour pouvoir aller suivre la vidéo. Ok, donc ici on dit votre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères et doit avoir au moins un caractère qui est de 0 à 9, doit avoir au moins un caractère qui est du grand A à grand Z. Voilà, et ne doit pas contenir des caractères identiques successifs. Ça veut dire quoi? It must not contain sequence of consecutive equal characters. Ça veut dire que si vous mettez A, A, ça va pas marcher. Ou bien B, ça va pas marcher. Soit vous mettez grand A, petit A, ça va marcher. Donc ici, there must be a last one character of. Donc, ces éléments de caractères là, vous devez avoir des caractères qui sont comme ça, identiques. Voilà. There must be no more than. Donc, la longueur de votre mot de passe ne doit pas être plus de 20 caractères. Et there must be at least one character for the set AZ. Donc, et minuscule les éléments AZ. Donc, c'est ce que nous on va essayer de faire. Donc, moi je vais choisir comme ça mon mot de passe. Donc, n'oubliez pas, c'est au moins minimum 8 caractères. Donc, moi aussi je vais choisir mon mot de passe.
Alors, donc, je prends d'abord toujours une lettre majuscule. Je mets maintenant mon caractère. Et je mets maintenant le nombre. Voilà, donc, si c'est pas bon, ils vont me dire que c'est pas bon. Je vais reprendre si c'est pas bon. Ok, je crois que c'est les mêmes longueurs. Donc, si ça te passe 8 ou avant, moins de 8, ils vont me dire. Et puis voilà. On me dit comme ça que je l'ai mis, mais on me dit: The password does not satisfy minimum requirement. There must be at least one character of. Ok, donc je crois que. Donc, je vais essayer d'ajouter ces éléments-là. Comme ça. Pour que ça puisse marcher. Donc, je reprends. Ok, et je reprends ici aussi. Ok, donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Donc, si ça ne marche pas, on va reprendre. Voilà, ça marche. Donc, ici, je vais mettre no parce que je ne vais pas reprendre encore cette procédure-là. Alors, si vous voyez très bien ici, voici mon task call, voici tous les éléments, voici mes contacts et tout, tout, tout. Donc, si vous vérifiez, vous devez vérifier si vous pensez que ce n'est pas vraiment en ordre, si vous pensez que ce n'est pas comme ça que vous voulez les choses, vous pouvez déjà modifier là, voilà, ou bien modifier là. Dans le cas contraire, si ça va, vous pouvez déjà confirmer. Moi, comme ça, quand je regarde, de toute façon, je n'ai pas grand-chose à faire avec cette plateforme et tout, tout, tout. Donc, moi, je vérifie rapidement, tout est bien. Donc, je peux confirmer là, je confirme là, tranquillement. Et si vous voyez là, voici mes éléments, voici mon password. Ils ont étalé ici mon password. Voilà, mais c'est pas un problème parce que moi, j'utilise pas ce compte. Donc, pour ceux qui vont utiliser mon compte de façon abusive, ça sera eux-mêmes les soucis. Moi, je n'ai pas de problème. C'est pourquoi j'ai mis Italie 2023. Voilà. Mais au moins, vous voyez un peu la forme de mot de passe que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, une fois que c'est fini, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord imprimer. Je vous conseille vraiment de faire ça. Parce que lorsque vous imprimez, vous allez recevoir directement votre code. Vous n'allez jamais l'oublier. Parce que si j'imprime par exemple comme ça, vous allez voir que mon code et le mot de passe sera là. Donc, je ne vais jamais oublier ça. Vous voyez là. Ça. C'est mon code que je vais prendre pour pouvoir accéder la prochaine fois. Et ça, c'est le mot de passe, vous voyez. Donc, je vous conseille vraiment de les enregistrer. Donc, moi, je vais l'enregistrer. Et je vais l'enregistrer dans, par exemple, bourse de. Je vais l'enregistrer dans, par exemple, dans Calabria. Donc, moi, je vais enregistrer mon documento ici. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini d'enregistrer mon documento là, je repars encore sur le site, je me retourne par là. Voilà, je repars sur le site et je fais quoi maintenant? Parce que je viens de finir. Regardez ici, on dit registration completed. Vous voyez? Voilà, je viens de finir. Donc là, maintenant, je vais faire un login. Je vais repartir maintenant sur le site pour faire un login, pour pouvoir adhérer, pour pouvoir continuer. Donc ici, par exemple, comme ça, je viens là. Et je vais ressusciter comme ça ce que je viens de faire. C'est-à-dire où est-ce que j'ai mis mes contacts. Donc, je viens là et je vais toujours dans la partie. Voilà. Et j'ouvre comme ça l'élément que j'avais. Voilà. Donc, j'ouvre ça. Ça, c'est l'élément que j'avais enregistré. C'est pourquoi je vous ai dit d'enregistrer forcément parce que ça va vous arranger. Donc, je repars là. Ici, je dois mettre mon code, mon username. Et ici, mon password. Donc, moi, je viens là, je copie là, ce qui est là. Voilà, je copie ça rapidement. Je copie ça. Ok, et je l'installe là déjà. Après ça, je viens encore pour le mot de passe. Ok, je copie aussi le mot de passe. Past ici, voilà. Et je fais access pour pouvoir aller continuer. Vous
Ça, il vient juste de m'enregistrer. Maintenant, je vais aller postuler pour la bourse. Voilà, donc ici, je vais essayer d'enregistrer pour ne pas, après, demain, reprendre les mêmes choses. Voilà, donc, on dit welcome, voici mon nom qui est là. Voilà. Et the service has been created to keep in contact with users interested in the university world. In this section, you can find the latest news, appointment, and keep yourself updated about the university. Voilà, donc ici, arrivé là, une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire pour postuler à la bourse maintenant? Je viens là. Vous voyez, je viens là et je viens sur Registration Office. Parce que vous avez vu les premiers instants, quand je ne m'étais pas encore enregistré, ça n'était pas là. Maintenant que vous êtes enregistré, vous allez voir que cette partie-là va s'afficher. Donc, je mets ça et puis je passe au test d'admission. Vous voyez un peu ici, admission test. Ici, par exemple, enrollment. Si je viens là, par exemple, je vais essayer de vous montrer un peu quelques éléments. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc, si je viens de là, enrollment, je vais ici cliquer sur immatriculation. Et puis, parce que ce sont tous les éléments qui sont là-bas. Vous voyez, c'est ceux-là qui voient. Quand vous venez, vous voyez directement, il y a master, tout. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vrai que moi, je vais faire le master. Je vais cliquer sur l'un des masters pour pouvoir avancer. Mais je vais vous montrer aussi pour ceux qui ont dit qu'ils ne voient pas. En ce qui concerne la licence et tout. Voilà, donc c'est à vous que je donne. Je vais vous montrer ces éléments-là. Donc, si je viens dans Admission Test, par exemple ici, Test of Registration, ici par exemple, vous voyez ici, il y a Bachelor, ceux qui disent qu'ils ne voient pas et tout, voilà, je voulais vous montrer un peu comment ça va se passer. Il y a Please choose the degree you want to apply for. Donc, ici, il y a Bachelor, ici, il y a Master, tout, il y a tout ce que vous voulez. Voilà, donc moi, par exemple, comme ça, si je veux faire un Master de degré 2, je vais cliquer sur Master ce qu'elle a. Et puis je vais continuer, vous comprenez? Voilà, donc je vais continuer. Et ici, c'est Extra UE. Maintenant, si vous voulez faire par exemple une licence, pour ceux qui me disent qu'ils ne voient pas, c'est pour vous que je fais ça. C'est pour ceux qui disent qu'ils ne voient pas. Si par exemple, moi je veux faire une licence, je clique sur Bachelor. Voilà, Bachelor, je fais ça. Et aussi, ils vont essayer comme ça de me présenter si ça existe des extras. Donc ici, vous pouvez déjà choisir des éléments pour pouvoir chercher à postuler. C'est comme des admissions. Et au plus tard, vous aussi, vous allez avoir recours à faire quoi? À faire une autre session de bourse. Voilà, parce que c'est pas parce qu'ils n'ont pas mis, d'extra que vous ne pouvez pas postuler à la bourse. Vous comprenez? Vous pouvez postuler à la bourse. Alors choisissez et puis postulez à la bourse de façon anticipée. Voilà, c'est assez bien pour vous aussi. Donc moi, c'est le master que je prends. Alors, je vais choisir ici un master. Master de degré 2, ou bien si vous voulez choisir un master en termes de cycle ingénieur et tout, vous pouvez prendre aussi pour 5 ans. Donc ici, je choisis ce qui est là et je fais un ici. Donc, bon, je vais choisir par exemple l'informatique ou bien l'électronique et tout ça. Bon, moi, je choisis Data Science en Business Analytics. Donc ici, Data Science en Business Analytics, la date limite, c'est quoi? Le 12 quatrième mois. Donc, c'est aussi le 12 aussi pour la date limite. Donc, moi, je choisis ça. C'est ce qui m'intéresse. Et après cela, je vais cliquer là. Voilà. Donc, ici, on me demande Special Education Need to Disability Application. Dernier. On me demande si j'ai des handicaps et tout ça. Donc, ça, c'est pas la peine. Non. Ou que ce non qui est là. Voilà. Et ici, on me fait un petit résumé de ce que je vais faire. Donc, je vais postuler pour un master en Italie, voilà, degré course master de 2 ans et la description, je postule pour la bourse des étudiants étrangers, voilà, en data science for business analytics. Détail, data science business analytics, est-ce que je suis handicapé? Non, donc confirmer et continuer. Vous voyez, donc une fois que je vais confirmer et continuer, c'est en ce moment-là que ici par exemple, je vais traduire rapidement. Voilà, et ici on me demande encore ces histoires de d'invalidité et tout. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, pas de déclaration d'invalidité. Alors, je clique sur entrer ici, continuer. Voilà, donc arrivé là maintenant, nous allons sur les thèmes de diplômes et tout, les diplômes que vous devez mettre et tout ça. Donc, ici, vous regardez très bien, il y a les éléments quand c'est coché. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est déjà bon. Quand c'est
coché comme ça veut dire que c'est bon. Quand c'est comme ça veut dire que ce n'est pas encore rempli. Et quand c'est comme ça veut dire que tu peux modifier facilement et sans problème. Donc, nous, dans un premier temps, regardez très bien ici les éléments qui sont vraiment essentiels. Dans un premier temps, vous allez insérer d'abord, ça c'est primordial pour tout le monde, vous allez mettre d'abord votre diplôme de baccalauréat. Vous voyez? Et une fois que vous finissez de mettre le diplôme de baccalauréat, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant, après le diplôme de baccalauréat, vous allez maintenant choisir parmi ces trois diplômes-là, lequel vous avez pour que vous puissiez au moins l'insérer. Par exemple, moi je vais faire le master, donc ici je mets le diplôme de baccalauréat et je mets ici le diplôme de licence. Alors si je dois mettre le diplôme de licence, je choisis les options. L'option 1, l'option 2, l'option 3. Quelle est moi ma particularité? Ici c'est pour un bachelor qui a été obtenu même dans l'université où je vais partir. Ça c'est pas pour moi, ça c'est pas moi. Ici c'est pour first level degree, ça aussi c'est dans l'université où je vais partir. Ceux qui ont déjà obtenu la qualification là-bas. Vous comprenez un peu, ça aussi c'est pas pour moi. Ici c'est foreign degree, donc diplôme étranger, ça c'est pour moi. Moi je suis un diplôme étranger, donc je vais procéder en faisant quoi? Entrer dans l'action et je vais essayer d'insérer quoi? D'insérer mes éléments. Mais dans un premier temps, je vais d'abord essayer d'insérer d'abord le bac avant de pouvoir continuer. Parce que c'est le premier élément. Donc ici je vais insérer mon diplôme de baccalauréat. Ici j'ai obtenu mon diplôme de baccalauréat à l'étranger. Voilà, donc je mets Foreign Institute. Alors, ici, je fais procédure. Ici, quel est le diplôme que j'ai obtenu? Vous voyez que c'est la seule option qui s'affiche parce que c'est ce qu'on doit mettre. Voilà, ça, c'est le diplôme d'études secondaires, bac. Voilà, donc je mets ça là. Diplôme free description. Donc, ici, je vais mettre baccalauréat de l'enseignement. Voilà, c'est déjà écrit là. Baccalauréat de l'enseignement secondaire. Ça, c'est en fonction du nom. Si vous avez fait des cours en anglais, alors vous mettez le nom du diplôme en anglais là. Si vous avez fait en français, vous mettez en français aussi là. Voilà, donc maintenant, dans quel lycée vous l'avez obtenu? Moi, je vais mettre lycée municipal de Kumasi. Donc, si je mets par exemple comme ça. Lycée municipal Kumasi. Ok, donc je vais essayer de séparer un peu ici. Voilà, je mets le lycée municipal de Kumasi et ils peuvent me demander comme ça quand est-ce que vous avez obtenu votre diplôme. Ça, c'est graduation here. Donc je vais calculer un peu. Si par exemple j'ai mis ici que je suis né par exemple en 2001, voilà 2001 plus 12 ans, voilà 2001 plus 12 ans, ça veut dire que ça fait 2013. Ok. Si en 2013 j'ai obtenu par exemple si en 2013 j'ai obtenu par exemple mon diplôme de baccalauréat, voilà 2013 j'ai obtenu mon diplôme de baccalauréat, alors mon diplôme de licence je dois l'obtenir en 2015. Vous voyez, mon diplôme de licence je dois l'obtenir en 2015 alors que je viens faire les cours en 2022. Donc, ça ne fonctionne pas bien. Ouais, parce que j'ai sauté un élément. Parce que je ne vais pas directement être né et aller au cours. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai commencé les cours. Si je commence les cours du CP1 à la première année en 2000, bon, pas en 6 ans après ma naissance de 2001, c'est comme c'est en 2007. Voilà. Donc, si je commence en 2007 plus 2007 plus 12 ans. Ça fait 2019 que j'ai fini de faire le cours ici. Voilà, donc ici je peux mettre par exemple 2019. Voilà, et ici quel est le grade que j'ai obtenu? Vous pouvez mettre bien, voilà, ou bien comme je l'ai dit, c'est en anglais. Vous pouvez mettre bien, bien c'est good. Maintenant, ici je vais mettre good ici. Voilà, good c'est déjà à partir de 12. Donc, si vous mettez excellent, vous savez déjà que c'est en 18-19. Donc, moi, je vais mettre par exemple ici good. Ou bien vous mettez aussi des marques, c'est-à-dire vous mettez lorsque vous avez obtenu votre diplôme de baccalauréat. Si vous avez obtenu 12 sur 20 ou bien 13 sur 20, vous pouvez mettre aussi 13 sur 20. Vous voyez un peu. Voilà. Ou bien aussi, si vous voulez, vous mettez le grade. Le grade,
Je vais mettre comme ça. Good. Ok, donc quel est le pays? Dans quel pays vous l'avez obtenu? Je prends toujours la Côte d'Ivoire. Donc ici, par exemple, il cherche Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Parfois, il change les noms. Donc, essayez de voir un peu par rapport à votre pays, comment est-ce que c'est noté là-bas pour ne pas assez souffrir. Voilà, c'est pas assez facile. Ils ont mis en anglais, Ivory Coast. Country order. Donc, c'est toujours Côte d'Ivoire. Je vais aller voir aussi Ivory Coast. Ok, donc une fois que j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant essayer d'avancer. Voilà. Et en ce moment-là, maintenant, il va me rester à faire quoi? Ici, je viens de mettre la qualification en ce qui concerne le bac et tout. Où est-ce que j'ai eu mon bac et tout. Donc, vous voyez là, c'est coché là, c'est bon. Donc, ça aussi, c'est bon. Maintenant, arrivé là, on doit choisir parmi ces éléments-là. Quel est l'élément ici? Je vous avais déjà dit que nous c'est pour le degré à l'extérieur, donc nous sommes étudiants étrangers. Alors je clique sur entrée pour suivre aussi l'étudiant pour les étudiants étrangers. Donc ici, mon degré de statut, on vous demande ici est-ce que vous avez obtenu votre diplôme de licence. Si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est non aussi, vous mettez non. Ils vont vous dire à quelle date vous allez finir. Ils vont vous demander quelle date vous avez fini. Vous allez finir tout. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Donc si vous avez fini, vous avez déjà obtenu votre diplôme, alors vous mettez là. Dans quel pays vous l'avez obtenu? Je mets toujours Ivory Coast. Mon diplôme de licence. Je mets toujours Ivory Coast ici. Ok. Voilà, ici c'est Côte d'Ivoire, ils ont mis. Ok, donc dans quelle université? Ici, l'université n'est pas précisé, ils n'ont pas de liste. Donc, moi, je mets la liste là. Université Félix Faure-Boigny, je mets comme ça. Donc, je mets là, Université Félix Faure-Boigny. Et là, j'ai obtenu ma licence en. Si c'est licence en art ou bien ou c'est bachelor en éducation, tout. Moi, j'ai obtenu seulement une licence. Donc, je mets une licence. Voilà. Degré du cours ici. Voilà. Et ici, durée. J'ai fait combien d'années pour pouvoir obtenir comme ça ma licence. Donc, ici, le degré que j'ai eu. Si j'ai traduit en anglais, vous allez voir qu'ils vont me demander. Ce sont des histoires de grade. Donc, je vais mettre ça en anglais. Comme ça, la traduction normale sera là. Vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, ici, degré level, licence. Voilà. Donc, degré course, vous pouvez mettre comme ça. Licence en quoi? Licence en mathématiques. Comme je l'ai dit, essayez comme ça de remplir les éléments en anglais. Ça va vraiment vous aider. Donc, vous avez fait combien d'années pour avoir la licence? Je vais mettre 3 ans. Ok, donc à quel moment vous avez obtenu votre diplôme? Donc, si je viens faire, par exemple, comme ça, le master, si je vais faire le master en 2023, donc je considère que j'ai obtenu mon diplôme peut-être en 2022. Voilà, donc l'année passée, par exemple, il peut prendre par exemple mars 2022 que j'ai obtenu le 2 mars 2022. Ok, donc ici, on me demande un élément que je vais mettre en français comme ça pour que on puisse. Année de réalisation, voilà, ici, note finale, ici, l'année de réalisation, je vais mettre toujours par exemple comme ça, 2022, ok, et ici, note finale, quelle est la note finale que vous avez eue dans votre licence, il peut mettre par exemple 13 sur 20, voilà, c'est assez important, et évaluation, je mets good. Voilà, donc on peut procéder. S'il y a des éléments, s'il y a des problèmes, ils vont me dire, je vais essayer de d'arranger. Et puis voilà, ici, ils disent quoi? Ils disent que it's not possible to enter both the degree final and the evaluation. Ok, donc ici, j'enlève ce qui est là. Ils demandent de ne pas mettre les deux. Donc j'enlève ça et puis j'avance. Ok, donc ici c'est bon, ici aussi c'est bon. Alors je peux maintenant essayer d'avancer avec Proceed. Voilà, comme je l'ai dit,
Maintenant, nous sommes là à l'espace où nous devons, par exemple, comme ça, insérer les documents. Nous devons juste là insérer les documents pour que on puisse soumettre nos éléments. Donc, comme je vous l'avais dit auparavant, pour ceux qui font le master, il y a des documents qui sont de surplus. Ça, c'est un syllabus of all courses. Voilà. Et ça, c'est le passeport. Je vous avais déjà dit, ça, c'est le CV, le bachelor degré que vous avez reçu. Ça, ce sont les relevés de notes. Le syllabus, je vais vous expliquer ce que c'est. Ça, c'est pour Italian Course Certificate, pour ceux qui en ont. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Ça aussi, si vous n'en avez pas aussi, ce n'est pas un problème. Voilà. Votre faculté ou bien votre université peut vous faire des cours en anglais pour pouvoir essayer de les avoir. Voilà, donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Ok, donc ici, on va essayer de faire, de mettre ces éléments-là en ligne pour qu'on puisse aller un peu plus vite. Et n'oubliez pas, il y a une chose que je voulais vous dire. La façon dont vous avez là, c'est classé de façon identique, c'est classé de façon... vous aussi, lorsque vous allez commencer à mettre un document, classez-les comme ça, de la même manière. D'abord le passeport, après ça, c'est le CV, après le diplôme de baccalauréat, de licence. Donc ici, regardez très bien. Would you like to attach another qualification or document to your application? Vous mettez ici yes, vous voyez. Et quand vous mettez yes, ça vous donne l'autorisation de mettre un document. Et vous mettez, vous cliquez sur forward. Donc quand vous arrivez là, vous voyez. Le premier, c'était quoi? C'était un passeport. Donc, vous aussi, vous choisissez le passeport. Suivez ce qu'il y a là normalement. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Si vous changez, ils vont pas reconnaître ce que vous avez déjà fait. Donc, ici, c'est passeport. Donc, qualification ici, c'est le passeport. Ok. Description, c'est pas la peine. Nous pouvons aussi passeport. Maintenant, allons chercher le fichier passeport. Donc, je viens là. Je vais chercher fichier passeport. Je viens dans l'élément que j'ai créé ici. Voilà. Donc ici, je prends le passeport ici. Je viens, je l'insère. Et à la suite aussi, après le passeport, je vais prendre le CV. Je fais au fur et à mesure. J'insère aussi le CV. Et puis voilà. Donc si le passeport est trop élevé en ce qui concerne le volume, ils vont me dire que c'est trop élevé. Et vous allez pouvoir aller diminuer le volume. Dans le cas contraire, vous essayez de changer et postuler normalement. Donc ce que je voulais vous dire. Si c'est la première fois de ma chaîne YouTube, en attendant que l'élément charge, je vais vous donner quelques conseils. Si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez de vous abonner, essayez de liker la vidéo à chaque instant que vous suivez. Et sachez que là où vous êtes en train de suivre ma chaîne YouTube, c'est pour ceux qui savent le travail que je fais pour eux. C'est pour ceux qui veulent vraiment me soutenir. Et ceux-là peuvent déjà intégrer, ont déjà intégré ce groupe-là pour pouvoir suivre la totalité des vidéos que je mets en ligne. Parce que ici, si je vais prendre le temps de faire toute une vidéo, alors je vais commencer la vidéo du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez vous-même les postuler parce que vous avez un abonnement et vous me suivez pour ça. Et ça sera comme ça jusqu'à ce que vous obteniez vous-même une bourse, vous-même votre propre bourse. Voilà, maintenant n'oubliez pas, si malgré tout ça, vous faites et que ça ne passe pas, vous n'arrivez pas vraiment à obtenir des bourses et tout ça, nous suivons des bourses pour ceux vraiment qui veulent nous suivre, pour ceux vraiment qui veulent obtenir des bourses. Nous avons l'expérience dans le domaine et on peut aussi vous aider par rapport à ça. Excusez-moi, vous aider par rapport à ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez déjà regarder en description. Vous allez voir mes éléments. Vous allez aussi essayer de m'écrire pour que je puisse vous aider à vraiment postuler et tout ça. Voilà, donc on va aller un peu plus vite. Je vais faire passer le téléchargement rapidement. Sûrement que dans les normes, ça passe un peu plus vite. Sûrement que c'est parce que j'ai plusieurs choses sur la machine. C'est pour ça que ça ralentit. Donc, je vais faire passer rapidement. Comme ça, on va avancer. Ok, donc vous voyez là, c'est déjà passé. Donc je vais avancer. Ici, vous cliquez sur avancer, voilà. Donc pour le passeport, c'est déjà fait. Et on va passer maintenant sur le CV. Et pour le CV aussi, pour pouvoir faire ça, vous cliquez sur encore sur yes ici. Et vous faites un forward. Vous allez voir le CV. Vous choisissez le CV. N'oubliez pas, ne choisissez pas une autre chose. Faites ça de façon ordonnée. Voilà. Donc ici, je mets CV. Voilà, mais vous pouvez aussi écrire tout
tout ce qui est là ici, c'est pas un problème. Et je vais chercher mon CV ici. Donc pour le CV, je vais prendre un élément comme ça. Je vais prendre cet élément là. Voilà. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, l'autre j'ai fait passer, mais ça, je crois que ça passe un peu plus vite. Vous voyez, ça passe un peu plus vite. Donc je vais laisser passer. Alors, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés à pouvoir postuler à cette bourse là, à la bourse de Calabria, vous pouvez déjà me contacter inbox pour que je puisse vous aider. C'est une bourse qui est hyper, hyper complète et c'est à 100%. Donc, ça, vous n'avez pas vraiment à vous inquiéter. Donc, ça, ne regardez pas parce qu'il y a un paiement. Non. Ça, c'est un CV. Voilà. Donc, j'ai mis le CV. J'avance. Et vous voyez, on fait de façon. On a mis le passeport. On vient de mettre le CV. On va mettre maintenant le diplôme de licence. Donc, vous cliquez sur Yes encore. Voilà. Et j'avance. Ici aussi, je prends le diplôme de licence. N'oubliez pas, ne sautez pas les étapes. C'est assez important. Donc, si j'ai eu mon, ma licence comme ça dans un pays francophone, je mets diplôme de licence. Voilà, donc je mets diplôme de licence et je vais chercher mon diplôme de licence. Donc, le diplôme de licence, je vais prendre par exemple cet élément-là. Voilà, donc je prends ça et ça va assez vite aussi. Donc, ça va. Après ça, après le diplôme de licence, on a quoi? On a le relevé de la licence. Donc, le relevé de la licence, vous pouvez mettre le relevé de la licence 1, licence 2 et le relevé de la licence 3. Donc, ici, par exemple, comme ça, je vais mettre encore Yes. Et puis, je vais aller mettre le relevé de la licence 3. Donc, ici, relevé de la licence. Donc, ici, je vais mettre comme ça. Relevé Je vais mettre comme ça, relevé de la licence. Et je vais aller chercher le relevé de la licence. Je vais prendre celui-là comme relevé de la licence. Voilà. Ça va aussi assez vite. Donc, comme je disais, la bourse de l'Université Calabria, c'est décerné chaque année. Voilà. Donc, pour ceux vraiment qui sont intéressés, vous pouvez poster facilement et vous pouvez l'avoir. Parce que l'année passée, les années antérieures, il y a des étudiants qui l'ont eu assez facilement. Donc, seulement, vous devez mieux postuler. Vous devez bien postuler. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, ça aussi, ça prend un peu de temps, alors je vais faire passer pour que on puisse continuer un peu plus rapidement. Donc, on a déjà mis les relevés, on va avancer un peu plus rapidement. Après les relevés, vous avez vu là, c'est Syllabus of All Courses. Donc, Syllabus, comme je vous ai dit, je voulais vous expliquer un peu comment ça se passe. Pour ceux qui veulent faire le master, d'abord, dans un premier temps, si je vous explique rapidement, donc essayez de comprendre un peu l'essentiel. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours me contacter inbox. Je vais encore essayer de vous expliquer. Donc, pour chaque cours, par exemple, moi par exemple, j'ai choisi l'informatique, je crois. Donc, l'informatique, s'il y a par exemple la programmation en langage C ou bien la programmation Python. Vous voyez, pour chaque cours, je prends par exemple Python, je dois expliquer en quoi c'est Python. Vous comprenez, à quoi c'est Python, dans quelle structure je vais utiliser Python et pourquoi est-ce que j'utilise Python. Voilà, ça c'est la description de chaque cours. Et comment est-ce que, si vous allez sur Google, vous allez voir comment est-ce qu'on fait aussi les syllabus. C'est assez particulier, voilà. Vous pouvez faire ça facilement. Pour chaque cours, vous allez faire cela et pouvoir les télécharger ici. Voilà, donc moi pour mon syllabus, je vais télécharger un document comme ça. Qui n'est pas vraiment un type de syllabus, donc j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Voilà, donc moi je vais trouver un élément comme ça pour pouvoir mettre rapidement pour qu'on puisse avancer aussi vite. Donc ça c'est ça, je vais mettre ça. Voilà, ça va un peu plus vite. Ok, donc j'avance. Ici, en ce qui concerne les certificats en anglais, en italien, c'est pas la peine. Ça aussi, en anglais aussi, je n'en ai pas, donc c'est pas la peine. Voilà, si vous avez d'autres documents, c'est-à-dire l'extrait de naissance et tout, vous pouvez mettre ça là, en autre document. Donc, vous devez comprendre cela. Maintenant, une fois que c'est fini, vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez maintenant cliquer sur. On vous demande, est-ce que vous voulez mettre un autre élément encore? Vous mettez non. Une fois que vous mettez non, ça bloque l'élément. Et cette fois-ci, quand j'écris sur Forward, ça va me renvoyer sur la particularité comme si j'ai déjà fini, vous voyez. Donc, vous devez forcément cliquer sur No avant de pouvoir avancer. Donc là, pour pouvoir postuler à ma candidature et à la bourse, voici les éléments que j'ai insérés. Donc, je mets encore
InfoWord. Voilà, donc on me dit maintenant pour l'unical admission, je dois maintenant fill un élément. Alors, je clique là et j'essaie de remplir ces éléments-là. Vous voyez, c'est étape par étape, il y a assez d'étapes. Alors, vous devez vraiment les finir. Donc, ici, comme je l'ai dit, vous pouvez postuler avec un passeport ou une carte d'identité, ce n'est pas un problème. Donc, ici, moi, je postule avec un passeport, je vais mettre 22 AI 14 15 58. Voilà. Et on me demande quel est le type de document que moi j'utilise. J'utilise un passeport. Donc, je mets passeport. Voilà. Et ce passeport est issu de quel pays? Je mets Côte d'Ivoire. Ou bien je mets Ivory Coast parce que c'est en anglais. Ok. Et le passeport va expirer quand? Je mets par exemple comme ça en 2028. 2028, en mars, 8 mars 2028. Et c'est issu de quelle autorité? Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est SD, je crois. SD, PAF. Voilà. Voilà, donc SD PAF. Une fois que j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je fais avancer. Et pour la suite, j'ai une mauvaise connexion. J'oubliais, je suis en Russie, donc je dois utiliser un VPN, comme d'habitude. Ok, donc. Je fais directement, je retourne un peu pour voir si ça va passer. Ok, ça passe. Donc, ça explique quand je mets 2028 toujours. Voilà, ici en Russie, vous devez utiliser forcément des VPN si on veut naviguer sur des VPN de l'Occident. Voilà, comme en Italie et tout ça. Sans cela, rien ne passe. Donc, je clique sur le 1er mars 2028, la date d'expiration de mon passeport. Et ici, l'autorité qui a délivré le passeport chez nous en Côte d'Ivoire, c'est ça. Regardez juste à côté où se trouve votre photo, vous allez voir juste en dessous. C'est chez nous, c'est SD, paf, voilà. Et je fais avancer. Quand je fais avancer, vous voyez que ça cherche maintenant, ça passe parce que j'ai activé mon VPN, ça passe. Ok, donc je suis sur cette plateforme-là pour les cours du secondaire, c'est-à-dire où j'ai obtenu mon diplôme de baccalauréat. J'ai fait combien d'années pour obtenir le diplôme de baccalauréat? Donc, je vais mettre 3 ans. 3 ans pourquoi? Si vous commencez par la seconde primaire terminale, voilà, vous mettez 3 ans. Et le high school minimum passing score, là-bas, pour passer, pour pouvoir aller en classe supérieure, on a besoin de 10 sur 20. Et le maximum, c'est combien? C'est 20 ici. Voilà. Et moi, on vous demande high school obtaining score. Combien est-ce que moi j'ai eu sur 10 minimum et 20 maximum? Combien est-ce que moi j'ai eu? Moi je mets 13. Ok, donc j'avance. Voilà, ça c'est pour par exemple comme ça le baccalauréat. Si par exemple vous devez faire la licence, si c'est pour la licence que vous faites, alors vous remplissez juste cette partie-là et c'est tout. Les autres parties, vous faites juste avancer, avancer. Ici par exemple comme ça, on dit language skills. Knowledge of Italian, je ne comprends pas d'italien. Certificat d'anglais, je n'ai pas de certificat en anglais. Vous voyez, et on avance. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour cela. Si vous n'avez pas de certificat, mettez que vous n'avez pas de certificat. Et ici, c'est pour la licence. Vous comprenez? C'est pour la licence. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent faire par exemple comme ça, le master. Vous remplissez ça. Ceux qui veulent faire par exemple la licence. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'informations sur la licence, alors vous ne mettez rien, vous avancez juste. Ou bien vous allez, vous venez là et vous remplissez. Ou bien si vous n'avez pas de coordonnées sur la licence, vous avancez juste ici. Étant donné que moi, je vais pour le master, alors moi, je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de remplir toutes ces parties-là. Donc, le bachelor aussi, pour passer, c'est 10. Pour passer, c'est 10. Le maximum aussi chez nous, c'est 20. Et moi, j'ai obtenu combien? Ici aussi, j'ai obtenu 13. 13 sur 20, et je veux étudier ou bien je l'ai fait dans quelle branche. Moi je fais par exemple computer science parce que je veux faire l'informatique, donc computer science ça va marcher. Ici on a fait combien d'examens pour pouvoir avoir ce diplôme là? On a fait 3 examens pour les 3 licences. Voilà, et total examen ici, total examen technique in relation to choose a study area 3, total examens in mathematics
Ici, je n'ai pas eu un grand élément, donc je peux avancer. S'il demande encore de remettre forcément, je vais venir remettre. Voilà, vous voyez qu'ils n'ont rien dit. Alors, j'avance. Étant donné que moi, je vais faire pour le master, alors, ça veut dire que je n'ai pas encore d'informations sur le master. Alors, moi, je m'arrête là et puis j'avance. Voilà. Si je partais faire le doctorat, alors j'allais mettre doctorat. J'allais mettre pour le master parce que j'ai mon diplôme de master. Ici aussi, je n'ai pas pour le doctorat, donc j'avance. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ok, on me demande General Specific Agreement between UCL. Ici, c'est non. Ils n'ont pas de relation. If yes, ok, donc c'est non. Donc, on avance. Je vais faire un peu plus vite, comme ça, je ne vais pas atteindre assez de choses. Ici, ce que moi je voulais vous dire, c'est quoi? My family income is lower than 24,000 and then I am a student independently from my family of origin. Donc ici, par exemple comme ça, moi je vais prendre le premier élément. Ça à vous maintenant de voir. Vous pouvez traduire en français, vous allez voir. On vous dit que votre famille ne reçoit moins de 24 000 et que vous êtes vraiment indépendant de votre famille. Ou bien votre famille reçoit moins de 36 000 et vous vivez et votre famille est composée de deux membres. Voilà, il y a assez de choses, mais moi je considère que c'est le premier pour mon cas. Donc j'avance et on verra la suite ensemble, comme ça vous-même vous allez comprendre comment ça se passe et puis comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir finir tous ces éléments là. Donc, une fois que vous arrivez là, vous vérifiez tous ces éléments-là, si vous avez bien rempli tout, la seconde partie. Voilà. Et quand vous finissez, ce que vous allez faire, soit vous tirez la copie qui est là. Moi, je n'en ai pas vraiment besoin. Alors, vous confirmez directement ici. Et ça va enlever, voilà, ça met l'élément qui était en rouge là, en vert, que vos questionnaires ont été confirmés. Voilà, donc en ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer comme ça. De tirer. Pour ceux qui veulent tirer, vous tirez. Si vous ne voulez pas tirer aussi, vous laissez. Moi, je vais tirer. Je vais mettre parce que on ne sait jamais. Voilà, donc je mets là. Je l'imprime, je mets là. Et puis, je passe au suivant. Ici, qui est quoi? Exciter. Donc, je fais exciter ici. Voilà. Et ça me renvoie là. Vous voyez, maintenant, je suis en vert. Voilà. Si je suis en vert, je fais un forward pour pouvoir continuer, pour voir la suite. Eh bien, voici la suite, ce que moi je vais postuler tout, voilà. Donc, ça c'est mon petit résumé. Vous voyez, je suis déjà à la fin. Et arrivé là, je fais maintenant complete admission for competition. Et je clique là pour pouvoir maintenant postuler et à l'admission et à la bourse de l'Italie. Je rappelle encore. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les démarches, pour ceux qui ne savent pas vraiment comment faire, si vous avez des soucis et tout ça, vous pouvez déjà me contacter Inbox pour que je puisse vous aider vraiment à le faire. Vous voyez là, ça, j'ai fini de faire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais imprimer l'application ici que je vais mettre comme ça dans mon carnet, voilà, pour ne pas après oublier ce que j'ai fait. C'est assez important. Donc, ça aussi, je vais l'imprimer. Vous voyez, là, il y a toutes les informations. Il y a tout ce que j'ai fait jusqu'à la fin. Et je vais l'imprimer ici rapidement pour pouvoir mettre aussi ici. Voilà. Donc, après ça, je repars directement dessus pour vous montrer un peu ce que vous avez fait. Donc, une fois que c'est comme ça, vous voyez, vous voyez ici, application complétée. C'est déjà fini. Voilà. C'est fini. Donc, Ici, il prend ici, go back to the list of course. Donc, voici ce que j'ai soumis. Et j'ai déjà fini. Maintenant, si vous voulez encore continuer à soumettre encore, c'est-à-dire après l'informatique, si vous voulez continuer encore à soumettre mathématiques et tout ça, vous cliquez sur continue to admission process encore pour pouvoir encore continuer à choisir une autre faculté. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Et surtout, merci d'être dans ce groupe-là. C'est assez important pour moi. Voilà. Et faites de ce groupe là ce que vous pouvez parce que vous allez avoir plusieurs privilèges en ce qui concerne ce groupe. Donc c'était moi le Samuel Spita, c'est tout, prenez soin de vous et puis merci encore les gars.